Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo assez spéciale. Je sais pas vous mais j'adore le concept, donc si aussi vous kiffez, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'on en refasse sur d'autres sites. Mais là j'ai kiffé en fait faire sur Fashion Nova parce que ce site, c'est vrai, il est assez original. Il y a des articles très osés, donc là vraiment ce shopping à l'aveugle a été... J'en dis pas plus, je vous laisse avec les images. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui nous allons... Quand je mets ces lunettes, écoutez, je me sens très professionnelle. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 février, il est exactement 13h de l'après-midi et je vais donc faire un shopping à l'aveugle. Alors j'ai jamais fait ça. On va commencer tout d'abord par taper Fashion Nova. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans New In. Je suis trop excitée, comment on fait là? Prions s'il vous plaît, faites que j'ai de la chance, que je tombe sur des beaux articles. Hein, je triche pas hein. C'est parti, donc je monte, je descends, je... Tcha 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 tcha. Allez. Est-ce que ça a cliqué sur quelque chose hein? Je suis où là? Ok, ça commence bien dis donc, on va pas trop hein, bouger. C'est chaud quand même pour arriver sur un article. Ça y est, c'est bon, le premier article. Je vous le mets ici. J'ai envie de vous dire que j'aurais pu avoir pire. J'ai envie de vous dire que j'aurais pu avoir mieux. Mais ça va. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, prochain article. Donc, retour. Je sens que ça va être long, cette histoire. Mais c'est pas possible. Elle est où, ma flèche? Oh, mais regarde ça. Ah! Ça y est. Sport essentiel oversize. Et c'est l'ensemble? Ah non, c'est que le pantalon. Mais écoutez, il est très joli, la couleur, on adore, hein. Nickel, ah ben ça je suis contente. On continue. Mais dites donc, j'aurais pas un petit peu de chance aujourd'hui? You're sexy baby. Franchement, plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je suis contente. Et vous savez que si j'étais pas en partenariat avec Fashion Nova, jamais de la vie je ferais une vidéo pareille. Oh, j'aime beaucoup cette petite tenue là. Bref, allez, continuons. Ah, oh. C'est pas un truc que je me serais arrêtée dessus. Et pourquoi pas. Love in one. Oh yo 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 yo. C'est horrible. On commençait tellement bien. Allez Missou, on croit à ta chance. My wee dress dream. Qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose non plus que j'aurais pris. Qui sait, peut-être que on va être surpris, ça va m'aller mais super bien quoi. Ok là, ouh là, on est dans l'esprit sauvage. Ok. Une petite robe, hein. Très simple. Allez, on continue. Ok, oh, ça me plaît ça là-bas. Ok, oh yo 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 yo. Nous avons un ensemble. Moi, les manches comme ça, ça me fait penser à Blanche-Neige. J'aime pas du tout. Écoute, je crois que je vais mettre cette robe. Je vais me sentir très, très sauvage. Je crois que là, je vais marcher à quatre pattes et tout. Hein. Oh my god. On continue. Ok, ça n'a pas marché. Quand ça marche pas, je redescends. Ah oui, là. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? What else? Ah là, j'ai pas eu de chance. Ça m'embête de le prendre, ça. Boudu! Allez, ça serait cool qu'on se prenne un haut avec ce magnifique short. On continue. Petite robe. Ok, un jean. Pourquoi pas, elle pourrait le faire, hein. Ah non! Ah non! C'est un maillot de bain, ça, vous êtes sûr? Bon, il nous reste, allez, il nous reste un article. J'aimerais bien qu'il soit beau, s'il vous plaît. Comment dirais-je? Pourquoi pas avoir porté? Et on se retrouve donc pour les essayages. Alors, que pensez-vous de ces articles? Franchement, il y a des fois, on a eu de la chance. Je veux pas dire, mais il y a des trucs plutôt pas mal. Hein. Mais après, bien sûr, voilà, il y a des trucs, il fallait s'en douter. Pas trop mon style, quoi. J'ai reçu ce colis, j'espère qu'on a tout. Parce que vu que c'est une collab, des fois, fait quand c'est plus en stock, je ne reçois pas l'article que j'ai choisi. Ouvrons ça de suite, j'ai vraiment trop hâte. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Je me rappelle absolument pas avoir pris ça. Vas-y, on commence par ça. Hein. Oh, mais c'est joli, ça. C'est horrible, écoute, j'y nage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la bonne taille, c'est pas possible. Taille S, non mais il m'aurait fallu XXXS. C'est dommage parce que, imaginons, serré, ça pourrait être pas mal. C'est pas mon style, mais je trouve très jolie en fait la matière, hein, qui est très épaisse avec les fils. Maman, c'est un père que ça me fait, wow. Ça aurait pu être un ensemble très joli quand même, hein. Mais regarde tout ça, quoi. Passons au prochain article, j'ai trop envie.
de tester ce jogging parce que j'adore ça. Alors pour voir, regardez ce pantalon. Oh, j'aime trop. En plus cordon resserrable, on adore. Et du coup, j'ai essayé le jogging et le petit corset rose. Ça va pas du tout ensemble, mais bon, faudra imaginer. Hein. Ok, alors commençons par le haut. Je sais pas quoi en penser. Les filles, vraiment, je suis en hésitation parce que d'un côté j'aime bien, mais d'un côté j'aime pas. Vraiment là je sais pas, niveau taille c'est bon, j'ai pris S, ça m'est pas du tout grand. C'est quand même joli non? Mais c'est vraiment corset quoi, t'as les trucs durs et tout, enfin je pense quand même que je vais le garder. Pour jamais le mettre on est d'accord, mais je sais pas, je trouve ça joli. Et le pantalon, bah écoutez il est plutôt pas mal, après je te dirais que niveau cheville... Attends je vais allumer mes pantoufles. Niveau cheville ça sert quand même plutôt pas mal. Mais après sinon il est super joli la couleur, moi je suis fan de la couleur, couleur crème comme ça. Qu'est-ce qu'on essaye? En fait j'ai envie d'essayer que des trucs qui me plaisent, hein. J'ai pas envie d'essayer ce maillot jaune fluo là. Mais écoute, tant que j'ai un haut, on va tester. On va essayer ce cycliste. Écoutez, je me suis acheté un vélo, ça ira parfaitement hein, pour les vélos du sport. Waouh. Il y en a, ça leur va très bien. Mais moi, vous voyez avec ça? Peut-être que je vais avoir une révélation, ça va être incroyable sur moi. Allez, essayons. Oulala, c'est... Ça va me mettre énormément en valeur. On voit ma culotte à travers. Oh non. Et on voit sacrément à travers. Mais c'est bisou là-bas. Ah mais j'imagine que tu mets ça, on te voit de loin quoi. Faites abstraction de la culotte, n'est-ce pas? En fait là, je me verrais bien faire de la gym dans les années 80, tu sais. Ça c'est clair et net que je ne le garde pas. Mais après c'est stylé, hein, voilà. Passons, allez, à cet article, on va tester la robe. Cette robe, franchement, je la trouvais pas jojo. Trop de froufrou, j'aime bien les froufrou, mais faut pas non plus abuser. Cette portée, ça ira bien, hein. Ouh, je fais très sage dans cette robe, je trouve. Non, franchement, je suis pas fan, elle est trop longue. Vu que je suis petite, mettre des choses, bon, pas trop courtes, mais un peu plus courtes, pour genre allonger les jambes, tu vois, genre elle aurait été comme ça, ben, elle aurait été plus jolie. C'est pas moche, mais je vais pas la garder parce que je sais que je la mettrai pas. Passons au prochain article. Vas-y, on va tester la robe léopard. Oh my god, la matière. J'aimerais trop avoir un pyjama comme ça. Ouh là 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 là, alors là, c'est maxi décolleté dans le dos. J'adore le décolleté dans le dos. Mais honnêtement, je faisais un article déjà que je garderai pas. Oh mon dieu, écoutez, je crois que je vais la garder comme un pyjama, même si j'aime pas. On est tellement bien dedans. Ce boule qu'elle fait. Elle est hyper ultra sexy, non mais un truc de malade quand même. Genre t'arrives devant, ouais, tu te tournes, bam. Ce qu'elle a en fait c'est que bon, le dos est très joli, très décolleté, mais c'est qu'en fait au niveau de la raie, c'est froncé. Et du coup ça fait vraiment ressortir le fessier quoi. On est tellement bien dedans et je la trouve quand même jolie, je sais pas quoi, enfin... Non, j'ai pas la garder. Ça m'embête quand même de pas la garder. Bon, passons à la suite. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait motif léopard, on passe au zébré maintenant. On va tester, je crois que c'est la robe ça. Alors, cette robe, moi je suis pas... Déjà cette couleur, j'aime pas. Et le zèbre, j'aime pas. Donc je pense que je vais pas aimer. Mais qui sait, je dis ça et peut-être que je vais bien aimer sur moi. Ok, voilà, j'ai pas attaché, j'ai mis ça à la ceinture. Mais qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'adore cette forme. J'adore le ras du cou comme ça, c'est super joli. Et je trouve quand même qu'une coupe, tu vois, sans cintrer, bah, c'est pas mal aussi. Voyons voir avec la ceinture maintenant. Mais si je vous dis que j'aime bien en fait. Franchement, j'étais pas du tout attirée par ce motif, mais je trouve que ça change, tu vois, et ouais, la robe est belle, quoi. J'aime bien, j'ai envie de voir vos commentaires, voir ce que vous en pensez, vous. Mais j'ai envie de te dire, continuons dans le zèbre. Ouf, là, ouais, là, on est vraiment dans le zèbre, hein. Je préfère quand même ce motif-là. Ok, bon, en fait, j'ai enlevé le bas, hein. Là, j'aime pas du tout. J'ai l'impression de prendre 20 ans à la tronche, presque. Le motif, j'aime pas, là, c'était fait manche comme ça, j'aime pas. Horrible, ça, c'est sûr que je garde pas, hein. Allez, passons à la robe en jean, qui est un article que je pourrais potentiellement aimer. Ok, ouais, comme ça, elle est belle. C'est un jean très stretch, tu vois, qui est pas trop épais. Et là, j'ai l'impression que ça va pas trop serrer. Ça, c'est cool aussi. Alors, cette robe, bon, j'ai mis comme ça, parce que je trouve que comme ça, ça fait trop grand, les manches. Bizarrement, moi qui aime d'habitude les épaules dénudées, ben, je préfère comme ça. En fait, je trouve que ça fait un très joli décolleté. On est archi bien hein, dans cette robe, par contre, elle colle, elle moule beaucoup. Je l'aime bien, mais je vais pas la garder parce que j'en ai beaucoup trop de robes. Et là, je suis pas sûre que je la mettrai. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 articles encore. Qu'est-ce que c'est ça?
Oh là là, mais j'adore le tissu. C'est le même tissu que la robe léopard là-bas. On a le petit body t-shirt blanc et par-dessus. Alors franchement, dommage que ça soit ce motif-là. Après, peut-être je vais kiffer aussi. Parce que ça, c'est vraiment pas un truc que j'aime, les trucs tienda et en plus gris comme ça. J'ai hâte de voir porter sur moi. Ok, bah en fait, ça me fait chelou parce que là, on a une couture et j'ai l'impression qu'il faut mettre sur le côté. Mais en fait, non, on l'a sur le côté. Donc vraiment, très agréable à porter, cette robe. Hein. Je trouve ça très joli. Franchement, je trouve ça super joli. Hein. Mais c'est pas mon style. Je le mettrai pas. Mais c'est une tenue qui fait de l'effet quand même. Quoi. Ensuite, oh là là, je vois des cols roulés. Non. Eh, si elle est simple et tout, on l'essaye pas. La couleur est très jolie, la matière est assez fine. Hein. Stretch. Ça sent le chocolat. C'est incroyable. Hein. Oh, remarque, tu me diras, c'est vachement stretch quand même. Hein. Vas-y, on la teste. Hein. Ah, attends, je suis en train de voir. Je crois que c'est une jupe. Hein. Skirt. Ça veut bien dire jupe. Hein. Yes, peut-être je me rappelle pas du tout avoir pris ça quoi. On va l'essayer avec le t-shirt blanc tant que je l'ai. Mais cette jupe est très jolie, franchement, elle est rien à dire de spécial. La couleur est très très belle, cet effet maille comme ça aussi. Bon, maintenant j'essaye cette robe. Alors, cette robe, là je vous dirais, je suis en train de faire l'exercice, tu sais, où tu rentres ton ventre, presque tu touches ta colonne vertébrale. Hein, parce que si je laisse mon ventre dehors... Oh, c'est pour quand? Non mais c'est vrai qu'une robe comme ça, de suite... Voilà. Ouais, écoutez, très simple. Bon, l'odeur de chocolat me gêne, un truc de dingue. Mais c'est une très jolie robe que je vais garder. Bon, il nous reste deux articles. Je pense qu'on va faire celui-là. Bon, là, honnêtement, je vais l'essayer, mais je sais même pas si je vais vous montrer. Hein. Parce que sur la photo, rappelons-nous, la meuf a le ventre à l'air et tout. Moi, là, c'est not possible, quoi. Quand j'aurai repris le sport, peut-être que je pourrai montrer mon ventre. Là, en plus... Non. Regardez le derrière. Magnifique string, voilà. Essayons ça. Oh mon dieu, non, je peux pas vous montrer, il y a trop de choses à cacher. Déjà de une, le maillot est tellement échancré. Faut y aller mollo, hein. Moi je suis toujours en hiver pour moi là. Hein. Donc, non, c'est affreux. Écoutez, je me sens boudiner tel un saucisson. C'est pas possible. Après, honnêtement, il est pas moche. Ben la forme, hein, parce que moi la couleur c'est trop fluo. On a, je peux pas vous montrer. C'est pire qu'un string le machin. Hein. On a des ficelles ici, des ficelles là. On a des ficelles partout. Ouvrons le dernier article là, que là, ça me scie. Je crois que c'est une robe simple. Hein. Oh punaise, celle-là, elle est vachement col roulé. Oh non, j'ai pas envie de l'essayer, les filles. Hein. J'aime décoiffer. En plus, celui-là, il est vachement col roulé. Je vais la mettre comme ça. Essayons d'imaginer robe collante, simple, mais de cette couleur. Je vais pas la garder parce que c'est pas une couleur que je mettrais, même si elle est jolie. Bon, mais écoutez, voilà pour ce haul spécial fini. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai trop kiffé de faire cette vidéo. Et je languis voir vos commentaires, ce que vous en avez pensé. Si vous avez craqué sur des trucs comme d'hab, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.